Si vous regardez cette vidéo-là, franchement, vous êtes livré. Vous faites partie de mon cœur. C'est là le cœur. Yo, Rana et Sam, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo très spéciale. Oui, les amis, aujourd'hui, je voulais vous partager le week-end de mon anniversaire. On est actuellement vendredi, donc c'est la veille du week-end de mon anniversaire. Parce qu'en fait, mon anniversaire, c'est dimanche. Mais on va fêter samedi soir avec mes grands-parents et des amis. Là, je viens de me réveiller. Il est actuellement 6h30 du matin. J'ai préparé mon petit café. Ah! Ça fait super du bien. Parce que je sais pas si c'est la même chose pour vous, mais en ce moment, j'ai super froid depuis. Ça fait une semaine que j'ai super froid le matin. Il fait, je crois, 22 degrés. C'est quand même froid, quoi. Le programme d'aujourd'hui, dans une demi-heure à 7h30, je dois téléphoner. Enfin, j'ai un FaceTime pour un projet qui va se dérouler l'année prochaine ou cours de cette année, savoir. Voilà, j'ai un FaceTime à faire à 7h30 avec la France directement. J'ai hâte de vous en parler de ça. J'espère que ça va se faire. Je croise les dents, croise les doigts. J'ai le FaceTime à faire. Ensuite j'ai quoi à faire, je sais pas trop. Attends, j'ai noté dans mon agenda. Alors, voilà, après le call avec la France à 7h30, j'ai sport. Parce qu'en fait, j'ai repris la muscu, ça fait 2 jours là. Ensuite, je reviens ici pour manger, me changer, me doucher, etc. J'ai des livraisons à faire en ville. Ensuite, je vais retrouver mon coiffeur, Mr. John. Parce que là, mes cheveux, voilà, c'est pas coiffé tout ça. Vous me voyez authentique, sans coiffage. Donc, on va aller voir Mr. John. Et ensuite, je vais passer chez Kokai, un de mes sponsors que vous aimez tous. Voilà, je vais aller à leur boutique qui se situe en ville à Papeete. Et puis le soir, on va boire un petit verre avec un ami. Voilà les amis, grosse journée en perspective. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de vous emmener avec moi cette journée. J'aime bien vlogger et vous partager tous ces moments-là avec vous. C'est super cool. Et comme je vous l'ai dit, bah, c'est bientôt mon anniversaire. Et voilà. Voilà les amis, je viens tout juste de terminer ma conférence call avec la France. Je vous en parlerai très bientôt, voilà, si cela se concrétise. Là maintenant, je vais répondre à tous vos commentaires que vous m'avez faits. J'ai posté en fait une photo pour ben, le week-end de mon anniversaire. Vous avez été nombreux à me laisser des commentaires, donc je vais tous vous répondre. C'est vraiment promis, je réponds à tous les commentaires que vous mettez sous la photo. Je vais faire ça tout de suite. Voilà, je viens tout juste de finir de répondre à vos commentaires sur Facebook. Il me reste Instagram à faire. Vous avez été beaucoup aussi sur Instagram à m'envoyer plein de messages de joyeux anniversaire. Franchement, merci à tout le monde, mais à vous tous qui sont derrière votre écran de m'avoir souhaité un joyeux anniversaire. Ça me fait vraiment plaisir. Surtout, les anniversaires, pour moi, enfin, si, bien sûr, je suis content et tout, mais je trouve que c'est assez complexe. Non, pas complexe, je sais pas comment on dit, mais ça fait bizarre parce que du coup, je prends un an de plus sur cette terre. C'est peut-être rien, mais pour moi, voilà, ça veut dire beaucoup. Je vieillis. C'est ça, je vieillis de 1 an. Ah, donc, merci pour tout votre soutien. Ça fait toujours super plaisir, ben, de vous lire et de vous répondre. C'est super cool de votre part. Voilà les amis, je viens tout juste d'arriver au sport. En fait, j'ai garé ma voiture là. Voilà, et après, je vais à pied au sport. Et je vais vous emmener avec moi. Allez, c'est parti! Amis, je viens tout juste de finir l'entraînement, une petite séance d'eau, ça fait du bien. Là, je vais rentrer chez mes grands-parents, j'ai pris aussi à manger pour eux. Je vais vous montrer ce que j'ai pris pour le repas de ce midi. Et puis, allez, c'est parti. Oui! Viens voir ce que j'ai pris à midi pour manger. Qu'est-ce que t'en penses?
Regarde. C'est pas le même plat qu'hier, hein? Oui. Parce qu'en fait, les amis, si vous me suivez sur Instagram, j'ai montré ce que j'avais pris hier. Et puis là, c'est différent, Popo. Ouais, ouais, c'est pas pareil, ouais. Donc ça a l'air bon, hein? Ouais. C'est raisonnable. Ouais, c'est raisonnable. Ouais, ça coûte 800 francs la boîte et il y a du poulet. C'est joli, hein? C'est joli, mais le goût. C'est bon. C'est bon? Oui. C'est healthy. Tu sais ce que ça dit, healthy? Non. C'est quand il n'y a pas de matière grasse, ah. Et puis c'est bon pour la santé. Donc il n'y a pas de goût alors. S'il y a du goût? Ah, tu vois, je ne sais pas rien. Ok. Ça a l'air bon, c'est du poulet ou du quoi? C'est de la viande, viande de quoi? C'est du poulet, ils ont dit, ouais, blanc de poulet. Tiens, Popo, pour te faire goûter. Les quartiers m'ensemblaient beaucoup. Merci, ma chérie. Tu étais belle et ambitieuse. T'as de la personnalité, t'es intelligente. Reconnu que tu le fais, mais je suis sûre que tu as ressenti la même chose quand tu m'as regardé. Bon appétit. Popo et Rega sortis sans émission. Elle adore regarder ça. Tous les 13 heures. Allez, je la laisse manger. Les amis, je viens tout juste de faire un TikTok. En fait, j'en ai fait deux TikTok parce que là, je suis carrément lancé sur TikTok. Et je voulais vous remercier aussi du fond du cœur. On a atteint les 6000 abonnés sur TikTok. C'est juste incroyable. Donc, merci beaucoup. Et si jamais vous voulez aller voir, c'est tank.teddy. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller voir, c'est super cool. Et là, je l'ai mangé. Purée, poulet, légumes, tout healthy et tout et tout. On va tester tout ça. Allez. Waouh. Ça c'est vraiment bon. Bon appétit les amis. Alors les amis, pour le dessert, on va manger du aviou. Popo, tu peux montrer ce que c'est le aviou? En fait, il y a une graine, donc je vais couper avec vous. En fait, faut pas couper trop fort parce que sinon vous allez couper la graine. Et je peux vous dire que c'est super bon ce fruit là. C'est la première fois que j'en mange. En fait, non, c'est pas la première fois, mais genre, je veux dire, ça fait pas longtemps que j'ai découvert ce fruit, tu vois. Ça fait à peu près un mois quoi. Regardez-moi ça. Ça ressemble à une étoile. Je sais pas si vous voyez. Comment on mange, Popo? Comme ça. On sert avec une cuillère. Ouais. Waouh, c'est trop magnifique. Je prends une cuillère aussi. Ok. Moi je mange ça, Popo. Mmh. On va faire la dégustation ensemble. Allez, c'est parti. On mange à la cuillère. Allez. Tellement bon, hein, Popo? Ouais, c'est bon. Franchement, les amis, c'est hyper sucré. C'est un peu. Je sais pas comment expliquer. Vraiment, le goût de la pomme étoile. Et je peux vous dire, c'est juste excellent. Hein. Vraiment excellent. Franchement, les amis, si vous avez la chance de pouvoir goûter le abio, foncez. Parce que franchement, c'est délicieux. Bah, si jamais vous voulez, je vends des abio. J'essaie de vendre mes fruits. Non, mais franchement, c'est vraiment délicieux. Bon, ok, les amis, je vais terminer ce abio-là. Je vais aller prendre une douche parce que là, à 14h, je dois filer chez Mr. John pour me refaire coiffer les cheveux. Il me reste à peine une demi-heure pour faire tout ça. C'est parti, let's go. Voilà les amis, je vous fais vite fait mon outfit of the day. Donc on a un t-shirt de chez Kokai, juste magnifique. Un short qui vient de chez Pull & Bear, je l'ai acheté en France. Et les chaussures, bah, je mettrai des chaussures Nike, c'est tout. Et puis avant d'aller chez Mr. John, je dois aller livrer un paquet. Voilà, j'ai ce paquet là à aller livrer à la BT. Je vais préparer ça et puis c'est parti, let's go. Voilà, les paquets sont prêts. Vous avez vu qu'il y a énormément de choses à l'intérieur. Pamplemousse, abio, fruit de la passion, citron, banane, carambole. Et ça fait tout ça. Vous avez vu comment c'est énorme. Et le paquet, ça coûte 2000 francs. Donc si jamais vous voulez, n'hésitez pas à me contacter. Envoyez-moi un message ou appelez-moi directement. Tout le paquet, 2000 francs. Et franchement, ça vaut le coup. Hein. On a fait vraiment un bon prix pour tout ça. Et c'est que des produits bio. Donc voilà, appelez-moi et n'hésitez pas. Bon, en fait, les amis, je viens juste de me dire, j'ai 4 paquets à livrer en ville. Je ne sais pas comment je vais faire parce que je suis tout seul à porter ces 4 énormes paquets. Je vais voir comment je vais faire, mais ça va bien s'amuser, je pense. En plus, il fait super beau. Allez, on va y aller. Il ne faut pas que je perde de temps. À tout à l'heure.
Voilà les amis, je viens tout juste d'arriver en ville. Je pense que là, je viens juste de réfléchir. Ça va être chaud de filmer en même temps prendre les paquets. Du coup, c'est pas sûr que je vais filmer lorsque je vais faire mes livraisons. Mais je vais vous reprendre tout de suite après. D'accord, ça marche? Allez, c'est parti. Souhaitez-moi bon courage pour porter tous ces paquets. Voilà les amis, livraison terminée. Là, je vais aller voir John. Et ça est bizarre parce qu'il y a des gens qui me regardent en train de filmer. Merci. Merci. Je filme ma journée. Ça va être cool ça. Bon les amis, là je vais aller chez Kokai pour aller récupérer un petit cadeau. Je vais aller chez Kokai là. Ça va, cool, bon week-end. De rien, au top, au top. Super. Au top. Allez, Nana, bon week-end. Bon week-end. Ciao. Walking by the ocean, feeling all emotion. When she came right up next to me, I got caught up in the moment. Felt like we were frozen, like it was literally meant to be. The time stood still right there. Time stood still right there. We rode the sun, we became one. Ok les amis, donc je viens tout juste de me faire coiffer comme vous pouvez le voir. Juste magnifique, merci Mr. John pour cette magnifique coiffure. Et là je vais aller livrer le dernier paquet de fruits en ville à Papeete. Je vais tout de suite, allez c'est reparti. Hey, cool. Qu'est-ce que vous faites là? Ah ok. Alors les amis, regardez qui je viens de rencontrer. Hello. Je vous souhaite un joyeux anniversaire à ce Teddy. Voilà, bah, merci beaucoup de venir. Merci à toi. Ça fait vraiment plaisir. Merci à toi de venir vouloir me parler. Ah bah non. Re-salut les amis, désolé je ne vous ai pas filmé juste avant. Là je viens tout juste de rentrer à la maison, il est actuellement 17h50, presque 18h. Je vais me préparer pour sortir, aller boire un verre à l'extérieur. Je pense qu'on va aller au rétro, parce que j'aime bien le rétro là-bas. Ils font le happy hour, ils font plein de cocktails, c'est plutôt sympa et tout, le coin il est cool. Et puis je pense pas que je vais emmener la caméra de vlog, parce que j'aime pas trop vlogger le soir et sortir ma caméra le soir. Mais si vous voulez, vous pouvez me suivre sur mes stories Instagram. Donc suivez-moi sur Instagram Teddy Janté. Je pense que vous êtes déjà plein à me suivre sur Instagram. Merci beaucoup. Je vais vous filmer tout ça dans mes stories et puis on se voit demain les amis. Allez, bonne nuit. Hey Yoran les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là on est le lendemain et comme vous pouvez le voir, j'ai sorti la doudoune ici parce que il fait super froid en ce moment là. Il doit faire, attends,
Parce qu'en fait, j'ai un thermomètre là-bas. Il fait 21 degrés. Il est 7h du matin. Il fait super froid. Et vous savez que moi, je suis carrément frileux en fait. J'aime bien le froid, mais j'aime pas trop le froid. Parce que je suis genre, tu vois là, mes mains, c'est carrément gelé. Je sais pas si vous connaissez cette sensation-là. Donc, du coup, j'ai sorti la grosse doudoune. Tout en mitouflé, ça fait super du bien. C'est parti pour une nouvelle journée. Alors les amis, pour ce matin, je voulais vous faire un petit unboxing des paquets que j'ai reçus. Le premier paquet, c'est celui de L'Occitane. C'est juste magnifique. À l'intérieur, il y a deux boîtes, je vais vous les montrer. Alors la première boîte, c'est celle-ci. Donc c'est une boîte en méthane avec écrit L'Occitane en Provence. On a du produit capillaire juste là. Ça ce sont des après-shampoings pour faire briller, pour hydrater le cheveu. Ensuite, on a un gel douche également au thé vert. Ça, ceux qui me suivent sur Instagram, ceux qui suivent mes stories, vous avez déjà vu ce genre de masque-là, je les adore. Et ça, c'est une nouveauté qu'ils ont, c'est au melon. Je pense que je vais adorer le melon parce que vous savez, j'ai grandi dans les pastèques et melon avec mes grands-parents. Ça va me rappeler beaucoup, beaucoup de souvenirs. Donc ça, j'ai hâte de tester. Et ensuite, j'ai reçu un roll-up eau de toilette. Voilà, ça se présente comme ça et c'est avec une bille là. Tu veux tester? Je te mets là. Ah, c'est... Ça sent bon. Je suis trop parfumée. Et après, j'ai reçu une autre boîte juste ici. Voilà, pareil. On ouvre comme ça. Hop, et à l'intérieur. C'est la crème. Oui, en fait, on a un masque au charbon. J'ai jamais testé le masque au charbon. C'est bon le charbon. Ouais. Ah bon? Et ça, c'est un masque nettoyant du visage exfoliant. Donc voilà, merci beaucoup L'Occitane pour ces produits-là. C'est super top. Et ensuite, j'ai reçu un paquet de chez Kokai. Tu connais Kokai? Non? C'est une marque de vêtements. Ok. En fait, voilà. En fait, j'ai filmé quand j'ai reçu. C'est pour mon anniversaire. Verre de jeunesse là. On dit au Chinois le verre c'est la jeunesse. Ah bon? Tiangyan. Tiangyan. Tiangyan, Tiangyan. Tiang c'est vert, bien, oui. Vert c'est couleur de jeunesse. D'accord. Joli. Ça flash aussi, hein? Ouais, carrément. Plus ça va, ils connaissent bien ma taille à Kokai. C'est du small que je porte et franchement ça me va super bien le small de chez Kokai parce que d'habitude je prends soit small soit medium. Medium c'est un peu large quoi. Ouais c'est vrai. Et l'autre c'est pareil. Je sais pas, en fait j'ai pas regardé encore. Ah, j'adore les débardeurs, regardez ce qu'il y a écrit devant. Kura Kokai. Non, Kuraora. Kuraora. Ouais. C'est un marché Kuraora. Sans marquisien. Marquisien, ouais. Merci beaucoup Kokai pour ces magnifiques vêtements que je porterai avec plaisir. On va faire plein de photos avec Popo. Merci beaucoup pour vos magnifiques produits. J'ai hâte de les tester. Je partagerai avec vous dans une autre vidéo YouTube, les amis, ma routine que je fais pour mes cheveux, mon soin visage et les masques. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire, me mettre un gros pouce bleu. Et merci énormément Kokai pour ces magnifiques t-shirts. Au top. Alors les amis, là je suis en train de télécharger une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Normalement vous l'aurez déjà vu, si ce n'est pas le cas je le mettrai dans le petit i juste par là. C'est un vlog assez spécial où je réunis plusieurs vidéos à l'intérieur, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous n'avez pas encore vu. Et puis là on va se préparer parce qu'on va aller à Carrefour acheter les petites emplettes pour ce soir. Parce qu'on... Ah oui, je ne vous ai pas dit les amis, ce soir on va aller fêter mon anniversaire au restaurant Black Garden, le restaurant de Marietta. Et donc j'y suis jamais allé, je voulais aller tester, c'est aussi pour la soutenir que j'y vais. Donc on va aller en famille, en amis. De toute façon je vais vous emmener avec moi. Allez c'est parti, on va à Carrefour. Regardez les amis, il fait super beau aujourd'hui, magnifique soleil. Et d'ailleurs je voulais remercier toutes les personnes qui sont venues me voir à Carrefour, qui ont pris des photos avec moi, c'était juste... Et ça me fait vraiment plaisir de vous voir et que vous venez aussi me rencontrer et discuter ensemble, c'est juste génial. Donc merci à toutes les personnes qui m'ont reconnu et qui sont venues me voir. Là les amis, on retourne à la maison, on va mettre tout cet alcool au frais pour que ça soit bien frappé pour ce soir. Donc allez c'est parti, let's go. Voilà les amis, je suis actuellement à la maison, enfin à l'extérieur. J'ai déposé toute la bière au frais. Et puis là je suis sur la route parce qu'en fait il y a mon papa et la team qui sont en train de s'entraîner. Donc là ils sont en train de courir et moi je vais les rejoindre après. Ils sont déjà partis tout en bas et moi je les attends ici à l'ombre. Tranquille. Papa,
parle. Oui, vas-y, toi, nous. Bon les amis, là je viens tout juste de finir de prendre ma douche. Je suis en train de commencer à uploader une nouvelle vidéo sur YouTube. Et puis on est en train de se préparer pour sortir ce soir pour fêter l'anniversaire de mon grand-père qui a fêté ses 88 ans et moi-même. Et puis il y a ma grand-mère aussi. Et puis il y a des amis. Et puis il y a mes parents. Et puis il y a ma soeur. Bref, en fait je sais pas quoi dire trop là. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous emmener avec moi. C'est rare que je vlogue la nuit. Mais voilà, je voulais partager ça avec vous. On se retrouve tout à l'heure. Allez, ciao. Santé. Santé. Santé, papa. Concom. Concom. On va goûter à ce magnifique fish burger avec des frites et pâte à l'os. Et bien sûr, un petit vin rouge. Santé! Regarde, je vous le montre. Et Koumkoum, t'as 88 ans. 2008. Hein? 2008, 16. De quoi? Ta-ta-ta? Champagne. Coucou. Premier arrivé champagne. Mon mépréau. Pour vite être taillé au champagne.
Hop, c'est le bon. Allez. Hello. Bon, là on go vers, je sais pas, ouh là là. Une nouvelle aventure. C'est ça. Nana. À tout à l'heure. Nana. Nana. Passons aux choses sérieuses à présent. Trop beau, papa. If you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of destiny. Je sais pas comment commencer, je dirais plutôt bonjour. Yorana les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est actuellement 5h du matin, on vient tout juste de rentrer. Oui, il est super tard, très tôt, il est super tôt. En fait, je joue pas, il y a ma soeur qui est là, elle est en train de se démaquiller et tout. Pas, on est en train de prendre une douche. Récapitulatif, donc on est parti manger au restaurant de Marietta, Black Garden, c'était super cool. Ensuite, on est parti dans une boîte, dans un truc pour boire et tout. Et après, on a fini au Morrison. Morrison, c'est le truc qui est en haut. Un petit arrêt de roter. Mais je rentre, je l'ai ok. Ok. On est parti au Morrison, là, le truc tout en haut. Super cool. D'ailleurs, j'aimerais remercier toutes les personnes qui sont venues me voir. Je crois que j'ai répété ça, mais à Carrefour, il y avait déjà des personnes qui sont venues me voir. Mais là, au Morrison, il y avait quand même plein de personnes qui sont venues me voir. On a pris des photos ensemble. Franchement, merci du fond du cœur. Ça me fait super plaisir. Vous avez été nombreux à me souhaiter joyeux anniversaire. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me fait super plaisir. Petite dédicace aussi à Véria et Sébastien. On a passé une magnifique soirée, juste géniale. Et voilà, vous m'avez offert aussi des... comment ça s'appelle ça? Vous m'avez offert des poires rôties de chassao, merci beaucoup. Donc en fait je voulais tester avec vous parce que c'est la première fois que je mange. Vous savez les amis, franchement regarde, il est 5h du matin, on a acheté du on a acheté du chassao, je voulais goûter avec vous. Bon les amis, on est entre nous hein, on fait pas de pacotille ou de politesse ou quoi que ce soit. C'est la famille. La famille, les amis. On va manger du chassao juste là. Fraîchement coupé, avec amour, à 5h du matin. Donc on va goûter tout ça ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Franchement, c'est la première fois que je mange aussi frais et tout. Allez, chin, les amis. À votre santé, à mon anniversaire, à l'anniversaire de mon grand-père qui a fêté ses 88 ans aussi. Allez. Ah ouais! Je sais pas si vous vous rappelez, ça fait exactement un an pile poil. Ma soeur, MJ Tang, Miss Dragon. Maman, tu veux? Ma mère, elle est juste là. Bon appétit. Merci Vehia, merci Sébastien. Pour cette soirée incroyable. Papa, ciao. Calme-toi. Bon. Amitié, ciao. Alors, j'étais où? Ah oui, j'étais à Hemiti. Donc ça, c'est le bras de Hemiti. Elle a été élue Miss Dragon il y a exactement un an. Pas vraiment. Bah si, ça fait un an. Ah non, c'est le 8. Ouais, hier. Non, c'est lundi. Demain. Hemiti, du coup, elle reste Miss Dragon. Hein. Elle est Miss Dragon. Hemiti, t'as soutenu là à fond. Allez liker sa page Facebook. En fait, c'est au poids. De quoi? Ouais, c'est au poids. Il coupait pra pra pra. Je vais vous mettre des images comment il coupe. Pra pra pra. Hemiti, elle a filmé. Pra pra pra.
Mais ce sac au caille là, pour m'avoir habillé ce soir. Oh. Fashionista, Kokai vous assurez. Mr. John pour la coiffure. Toujours BG. Je sens que ça va être un long vlog. Parce qu'en fait, je filme 48 heures dans ma peau. Enfin, genre 48 heures. Vous voyez. Avez déjà filmé? Non, non. Ouais, il y a une vidéo qui est sortie la semaine dernière. Ça, je vais publier dans une semaine. Ça va être, je pense, mon vlog le plus long de ma chaîne. Donc, les amis, likez et partagez surtout. Je compte sur vous. Vous tous là derrière votre écran, likez, partagez et laissez-moi un petit commentaire. Mettez. Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre? Je défie tout le monde d'écrire ça. Allez, défi du jour. Chassa, je sais pas comment on écrit. Mettez en commentaire comment on écrit Chassa ou mettez Chassa, c'est tout. Et likez et commentez votre commentaire. Ouf, ça fait combien de minutes? Ouh, ça fait 7 minutes que je parle. Ben, on se retrouve tout à l'heure. Bon appétit. Bon les amis, je viens tout juste de regarder mon téléphone. Comment vous dire? En fait, j'ai regardé. C'est trop bizarre. Non mais je suis quand même pas triste, hein. Je suis quand même content. Et c'est trop bizarre que ça m'arrive comme ça. J'ai regardé tous vos messages. J'ai posté une vidéo aussi sur TikTok et sur Facebook avec mon grand-père qui fête ses 88 ans. On a fait un TikTok ensemble. Et vous avez été des milliers à avoir regardé, à avoir liké, à avoir partagé. Que ce soit sur Facebook, sur TikTok. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Franchement, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je vais me répéter, mais merci du fond du cœur pour tout votre soutien. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vie réelle, vous avez été juste incroyable. Tout votre soutien, bah, toutes les personnes qui m'entourent, vous êtes juste génial, franchement, vous êtes merveilleux. Merci de me soutenir dans tous les projets que je fais. C'est juste fou, quoi. Enfin, il est 5h30 du matin, j'ai aucun message. Je sais pas si vous avez vu, mais ça va. TikTok, truc de ouf, la vidéo avec ma grand-mère, ça, juste de ouf, mais franchement, là on est à 10 000 vues, vous avez été énormément à liker ma photo sur Facebook, on a atteint les 6000, plus de 6000 abonnés sur TikTok, enfin franchement j'ai pas de mots, surcharge d'émotions, ouais, je vais reprendre mes esprits, ne vous inquiétez pas. On arrête les larmes, je suis super heureux, on reste positif, voilà, juste merci vraiment tous les amis. Pour ceux qui vous regardez les vidéos, tous les abonnés, que ce soit sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, merci du fond du cœur. Je vous promets, je vais répondre à tous vos messages. Que ce soit sur TikTok, sur Facebook, vous avez été hyper nombreux. Vous êtes à 500 partages. Truc de fou, les amis. Dans la semaine là qui arrive, je vais répondre à tous vos messages. Je vais monter aussi la vidéo. Bah, cette vidéo là que vous voyez actuellement, je vais mettre tous mes efforts pour monter cette vidéo. Ça va être hyper lent. Je vous avais promis 48 heures avec moi. 48 heures dans ma vie. Là, je voulais partager tout ça avec vous. Je sais pas combien va durer cette vidéo là, je sais pas si ça va faire 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Franchement, je pense que ce sera la vidéo la plus longue que j'ai sur YouTube. Voilà, je voulais vous faire de très gros bisous. Tout votre amour que je ressens sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle, à toutes les personnes qui me soutiennent, les sponsors que j'ai, mon coiffeur aussi, celui qui s'occupe de mon look de tous les jours, Kokai. Là, ça fait un an, Veille Masport aussi, ça fait 3 ans, je crois, qu'ils me soutiennent. Merci à ma famille, ma soeur, mes grands-parents, mes parents, à mes amis, Sébastien, Veille. Si vous regardez cette vidéo, franchement, merci du fond du cœur. À toute la team aussi. C'est trop bizarre, on dirait que j'ai gagné un award, vous voyez. Attendez, ouais, voilà mon award. Ouais, le best prix. Non, c'est pour rigoler, hein. Je suis encore loin d'avoir un Oscar ou un Nova. Mais voilà. Je sais pas à quoi ça va ressembler cette vidéo. C'est la première fois que, voilà, que je monte mes émotions ben, sur internet. Merci les amis. Merci de me soutenir. Merci du fond du cœur pour tout l'amour que vous me donnez. Merci à tout le monde. Et puis, pour vous parler vrai. Ça fait bizarre en fait. Les anniversaires et tout. J'aime pas trop les anniversaires. En fait. J'adore les anniversaires quand c'est aux autres, mais quand c'est à moi-même. Le fait que ça soit mon anniversaire, c'est trop bizarre parce que... Moi, j'arrive pas à supporter que ça soit mon anniversaire. J'ai du mal avec mon âge, les choses qui se passent dans la vie, dans le monde. Le but dans ma vie, c'est vraiment de vous partager de la positivité, de vous encourager à vous dépasser, d'être bien dans votre peau et tout. De faire du sport, de respecter votre famille, des personnes qui vous aiment. Je pense que je suis venu sur Terre pour partager des messages, pour vous inspirer dans votre vie, que vous soyez jeune ou moins jeune. Mon message pour moi, c'est de rester positif, de croire en vous, de croire en vos rêves. Et puis voilà, d'être heureux. Tout simplement d'être heureux dans votre vie. Pour moi, le bonheur, c'est de profiter de chaque moment, de chaque instant.
avec les personnes que vous aimez, de rester sincère. Restez sincère, restez humble, restez comme vous êtes. Ne cherchez pas à jouer un personnage, à jouer des choses. Respectez-vous et respectez les autres. Je pense que c'est ça le but dans ma vie, c'est de pouvoir partager un peu de bonheur avec vous. Dans ce monde où tout va vite, tout va de travers aussi. Franchement, restez vous-même, aidez les autres, souriez aux autres, rien que sourire. Et j'ai croisé beaucoup d'entre vous à Carrefour, j'ai croisé beaucoup d'entre vous en ville, je croise beaucoup d'entre vous partout. Et vous êtes juste incroyables. On est le 7 juin, ça y est, c'est mon anniversaire là les amis. Bref, je sais pas comment je vais monter cette vidéo franchement. Mais juste voilà, je voulais partager avec vous ce moment de sincérité. Dans la vie de tous les jours, je suis pas tout le temps heureux. C'est sûr, on a des hauts, on a des bas, mais j'essaie quand même de partager avec vous de la positivité, de la joie de vivre. Et rien que le fait que je reçois tout votre amour à travers cet écran en fait, même dans les réseaux sociaux et dans la vie réelle, c'est un truc de fou. Je voulais profiter de cet instant pour remercier du fond du cœur pour tout ce que vous me donnez. Je n'oublierai pas. Je sais que tout ça, je le dois grâce à vous, grâce à ma famille, grâce à tout votre soutien. Et je suis sûr qu'un jour, je vous le rendrai. Parce que c'est mon devoir de vous le rendre. Tout ce que vous avez fait pour moi depuis tout petit, depuis que j'ai commencé le taekwondo, que j'ai fait mes études, que j'ai fait le mannequinat, que j'ai fait professeur, et que vous avez toujours été là pour moi, pour me soutenir. Je serai là pour vous, ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive, un de ces jours, je serai là pour vous. Je ne vous oublierai jamais. Je ne vous oublierai jamais. Et ça, je vous le promets. On m'a dit de jamais rien promettre des choses. Les politiciens vous promettent des choses, ils le tiennent pas, ils ont une mauvaise image, mais moi je veux rester franc avec vous, je veux rester honnête. Je joue pas un personnage, je joue pas un rôle ou quoi que ce soit, je suis juste authentique avec vous. Voilà, petit moment émotion. Franchement je m'y attendais pas à recevoir autant d'amour de votre part. Juste merci, merci du fond du cœur. En fait, j'étais pas conscient que je pouvais toucher des jeunes et des moins jeunes parce que j'ai rencontré des parents avec qui j'ai discuté et tout. Et voilà, ça, franchement ça... Ça me touche vraiment du fond du cœur d'avoir des retours des parents et de vous aussi, les jeunes qui me suivent. Merci pour tout. Non mais vous êtes fous les amis, regarde. Il est 5h40 du matin, vous continuez à m'envoyer des messages. Des messages comme quoi vous aimez bien mes vidéos avec mes grands-parents aussi. Et sachez que dans mes vidéos, je suis authentique avec vous. Et là, il y a mes chiots qui... Vous faites du bruit les chiots là. Merci. Franchement... Merci d'être nombreux à me suivre. Big love. Je vous aime. Je vous aime de tout mon cœur. Ben voilà, je pense que je vais finir la vidéo maintenant. 48 heures, vous avez passé avec moi. Plus de 48 heures parce que là, il est déjà dimanche. Demain, on va continuer la fête. Demain, on va continuer la fête. On va être avec Sébastien et Vehia. On va continuer en fait au Belvédère. Et si vous regardez cette vidéo-là, franchement, vous êtes les vrais. Vous faites partie de mon cœur. C'est là le cœur. Merci du fond du cœur. Je crois que cette vidéo va durer une éternité. Je pensais pas être aussi bavard que ça avec vous. Et puis que vous me voyez pleurer aussi sur YouTube. Truc de fou quoi. Et voilà les amis. Bon allez, je vais finir cette vidéo maintenant. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour tout votre soutien, pour tout votre amour. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, mettre un énorme pouce bleu, de partager cette vidéo à tous vos amis aussi. Cliquez sur le bouton partager. Allez, partagez cet amour-là. Et si vous voulez pas partager, ben ne partagez pas. Mais si vous voulez partager, partagez-le. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Plein d'autres aventures à venir. Je vous prépare plein de belles choses pour cette année, pour l'année prochaine aussi. Voilà, partagez cette vidéo, abonnez-vous à cette vidéo. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire, les amis, prenez soin de vous. Marourou. Nana. Et à bientôt. Je vous fais de très gros bisous et je vous aime très fort. Allez, ciao. Je vous aime les amis. Bisous. I'm walking alone. The streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.